mes amis tarfistes, j'espère que vous allez bien. Moi, tranquillou. Donc, on va faire le quintet pour demain, les amis. Voilà, parce que le quintet d'aujourd'hui, ça court ce soir. Donc, pour l'instant, pas de débriefing. Donc, mais bon, rejoignez-moi. Voilà, je ferai juste un petit live pour ce quintet-là. Et pour Dream de la série. Voilà. Mais bon, pour demain, quintet à Paris-Longchamp. Ça sera le prix de la Vénus de Paris. Voilà, qui dit Vénus dit ben les, on va dire les dames, les demoiselles. Voilà, donc demain, ça sera un quintet pour eux. J'estime d'ailleurs qu'il y a peu de courses pour eux, malheureusement. Ce serait bien qu'il y ait un peu plus de quintet pour les femmes. Voilà, parce que des fois, elles sont meilleures que les hommes. Mais bon, c'est encore un métier difficile pour eux, mais bon, voilà. Donc demain, c'est votre jour. Et voilà. Donc 15 partants, le 8 déclaré non partant, sont en distance des 2000 mètres. Des chevaux, en plus, c'est que des femelles. Donc c'est vraiment la journée des, on va dire, des femmes. Hein. Voilà. Donc nous, c'est parti pour notre pronostic, les amis. On va commencer par nos deux bases, des chevaux que je connais très bien, des chevaux qui courent souvent en handicap, que souvent ça, voilà, ça a lutté contre des hommes ou des mâles. Donc voilà, donc là, je vais commencer par ce 13, Pant Love. La dernière fois, je l'ai pris, elle n'a pas fait course. Là, je la reprends encore, je la mets d'entrée dans mes bases. Attention à elle, elle peut mettre tout le monde d'accord, peut-être à une bonne petite cote. Après, je vais mettre cet as, la Dissinée, avec Santiago. Voilà. Donc l'as, ça fait l'indiciné, ça fait un moment qu'on la voit plus. Je pense que demain, ça sera son jour. Mais outsider, on va mettre ce 3. La Putanesca. Ah ben, c'est simple. Quand il y a Pat Love qui courait ben, les derniers mois, la Putanesca, elle était toujours là. Voilà. C'est-à-dire que les deux, ils se connaissent par cœur. Donc attention à la Putanesca, pareil, qui a couru. D'autres lots que ça. On va mettre ce 4, Midnight Symphony, en forme. On va mettre après derrière ce 15, Special Apple. Voilà, très bien engagé. Cheval en forme. L'entraîneur confiant. Obligé de mettre dans un ticket. Et je vais mettre ce 14, Astrologia, la dernière fois aussi. Je l'avais pris cette jument, elle n'avait pas fait course, je la reprends. Voilà. Moi j'aime bien reprendre les chevaux que la dernière fois ils n'ont pas fait course, que j'avais pris. Parce que souvent la deuxième, la troisième, eh bien, ça fait mouche. Donc attention à Astrologia. Voilà. Mori en cas de non partant. Ce 11. Voilà. Oriental. Oriental Road. En forme, voilà, donc va monter de catégorie, mais comme on dit, les chevaux qui sont en forme, qui font des belles perfs, logiquement, quand ça monte de catégorie, voilà, ça doit faire aussi des perfs, donc c'est mon regret. Attention, le 11, et que vous savez très bien la forme de mes regrets, les amis. Voilà, donc le pronostic 13 As, c'est mes bases, et derrière 3, 4, 15, 14, avec mon regret 11, voilà. Après, ben, on va passer à mon challenge. Donc là, on voit qu'on a mis Dream de la série de partout, que ce soit au Choco et au Kurt Quintet. Pour l'instant, sa cote, elle est un peu plus de 2 contre 1. 2 contre 1, donc tant mieux. Donc si ça gagne, ben, ça peut doubler toutes nos mises. Donc je compte bien qu'il fasse course, les amis. Donc voilà. Et pour demain, mon Choco, hein, le Choco du chef. C'est une jument qu'on avait déjà pris. Réunion 3 à Milly du Maine, course 4. Bonne petite course montée. Sera un des chevaux en vue. Hein. Peut-être troisième, voire peut-être deuxième, troisième favori, mais pas la favorite. Je prends ce 3, Elvira Kesh. Voilà, Elvira de Kesh, une jument de Marmion. Velse dessus. Dernière fois, elle avait très bien gagné. Là, il y a des chevaux en vue comme Yo-Yo le Bourgeois qui monte. Je me rappelle plus, c'était pas Filou le Vernier, je sais plus. Et il y a cet as aussi. On va dire, il y a deux, y a, on va dire qu'il y a 3-4 chevaux qui sortent du lot. Et c'est pour ça qu'Elvira des Caches aura une bonne petite cote, pardon. Si elle a entre 4 et 5, moi je prends de suite. Parce que cette jument, elle peut mettre tout le monde d'accord. Voilà.
Coup de cœur quinté. Et en plus, à l'écurie Marmion, moi j'aime beaucoup. Hein. Christa Dulupin, Elvira Dekesh. Ça, c'est mes. Quand ça court, ça, moi j'adore, je le prends. Réunion 1 au coup de cœur quinté, course 3, vous le savez, hein, je prends toujours ma première passe. Ça sera ce 13 Pantelor. Aura peut-être une belle petite cote. Voilà, hein. Aura une belle petite cote, attention. Donc moi j'y crois fort. Coup de cœur quinté, Pantelor. Les amis, voilà. Moi, comme d'habitude, je vous dis bonne chance. Bon pronostic. À tout à l'heure pour ceux qui veulent venir, je crois que c'est à 20h10. Hein. Voilà, on va faire un petit live direct du Quintet. Et sinon, pour les autres, je vous dis à demain. Ciao, ciao!